10h30 de vol, Port-au-Prince, Paris. Maurice était encore avec la sélection haïtienne mardi. Un succès face à Porto Rico dans les bagages. Voilà l'attaquant parisien à pied d'œuvre. Je connais quelques joueurs ici, donc voilà, ils m'ont dit que tout se passait bien ici. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté le challenge du Mans. Parmi ces joueurs, il y a Belfort, haïtien lui aussi, et côtoyant sélection nationale au même titre que Jeff Louis. Ce facteur n'a pas été déterminant dans son choix. Le joueur aspire simplement à rattraper le temps perdu. Il peut y avoir un ticket gagnant-gagnant. Voilà, Jean-Eudes a finalement la pression sur les épaules parce qu'il sait qu'il n'a pas trop le droit à l'erreur aujourd'hui. Donc moi, j'ai le sentiment qu'il a envie d'avancer, en tout cas de faire ses preuves. Et on va être là pour l'accompagner dans ce projet. On sait que c'est un joueur qui a besoin de confiance et puis c'est un joueur qui a besoin de s'installer dans un groupe et puis de vivre au groupe en dehors du milieu parisien. Des soins, puis un footing. Première séance légère pour Maurice aujourd'hui, avant une autre séance collective lundi. J'ai vraiment envie de commencer à porter les couleurs du Mans, donc j'espère que le temps va être très très court. Clairement, l'attaquant Manso postule à une place dans le groupe dans 8 jours pour la réception de Niort au MM Arena.